Kinshasa Propre TV, c'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne à tous. Le voilà serviteur, mais mingi le cola moana oyo a servi papa naïe. Moi n'a pas la trahir à trahir yo et j'allais moi pas si. Fais-tu bien? De veritatis, c'est la foi en la vérité. Jésus nous donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, les démons, les diables, et aujourd'hui, les esprits mauvais qui rongent le cœur des êtres humains, de l'homme, ont pour nom l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, qui engendre la corruption, la division entre les hommes, la violence sous toutes ses formes, et finalité, la mort, mort physique, mort psychologique, mort sociale. Alors, idée Oyo, ya gouverneur, ya kokanga, ya kobuka, posala zando asika, onangaza idée malamu na kote wa. Je suis ici comme témoin, mais témoin des tribulations d'un peuple, mon peuple, qui réclame tout juste le droit de vivre et de vivre digne. Kinshasa Propre TV, c'est une chaîne qui n'achène pas, c'est une chaîne des actualités socio-culturelles. Je vous invite tout simplement, très chers aimables téléspectateurs, de vous abonner massivement. Les lotos en Sengo, faites Sengi na Kinoise Nyoso, à soutenir gouverneur Nabiso. Jantini Ngobila, na misalo ya kitoko, ya zako sala, na opération Kinshasa Bopeto, oyongai apesaki mokumba ya kokamba. Je vous invite tous à suivre rapidement et maintenant cette nouvelle élément que je vous balance dans un petit moment. Merci beaucoup, suivez jusqu'à la fin. La personne qui a révolutionné la musique congolaise, surtout par le chant. Auparavant, on avait un chant linéaire. Taboulé a apporté des méandres dans le chant, dans la façon de chanter. Donc, et c'est la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je ne bénis pas sur la musique, par bah, copier des Taboulé. Faire appel à son excellence madame la ministre de la culture et des arts de la province de la ville province de Kinshasa Yvette Tabou de nous rejoindre sur ce plateau. Nous l'invitons donc à nous rejoindre sur ce plateau pour que nous puissions parler de la culture dans la ville de Kinshasa. Voilà, bienvenue sur le plateau, son excellence madame la ministre provinciale de la culture et des arts David de Kinshasa. Bonne année 2022. Bonne année, et à tous les téléspectateurs, bonne année. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de vous prendre en premier lieu sur ce plateau parce que nous avons dit la rumba congolaise a été inscrite depuis le 14 décembre dernier sur la liste du patrimoine humanitaire mondial de l'UNESCO. Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, mon premier commentaire, c'est un sentiment. C'est le sentiment de fierté. Que au niveau mondial, parce que lorsqu'on parle de l'UNESCO, c'est le niveau mondial, qu'on puisse reconnaître notre musique ou notre courant, parce que rumba c'est un courant qui,
qui a autant la musique que la danse, qu'on puisse le reconnaître comme patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ça veut dire que c'est une reconnaissance. Ça veut dire que c'est une musique qui est connue dans le monde, donc qui a rempli tous les critères. La première chose que je peux dire, c'est mon sentiment de fierté par rapport à ça. Et c'est une réussite. Ok. Excellence Yvette Tabou, Bongo Banga Tongo, Pamon Midi, Bamouni, Yvette Tabou, Bazo Kakombo, peut-être Bayebieke. On a causé un peu la présentation, il y a Excellence Yvette Tabou, Azali, ministre, il y a culture, il y a communication, il y a gouvernement provincial. Et Bongo Azali, Bongo Moko, il y a Bana, il y a Seigneur Le Taboulé, Lelo, Papa Nayepe, Azalaki, Motomone, et parmi Bazo, Babouzi, pour Nayarumba, il y a Congo. Et Lelo, moi, Naye, à comme ministre, et Bongo, il y a culture. Mais excellence, il fait pas. Mais papa n'est pas Azalek ministre de la culture de la ville de Kinshasa. Ok, Azalek ministre de la culture de la ville de Kinshasa. Et vice-gouverneur de Kinshasa. Et bon, excellence, il fait tabou. Tant que vous êtes à Sangouana, il y a ma carte qui que Rumba Nabiso, le lot UNESCO, a reconnaître le local patrimoine. En tant que Moko, il y a Bana, il y a Baye Babunda pour Nyango. Et le lot fait n'importe où, aux Alibo Bunda, on a la Rumba congolaise, réaction à l'Azalek Ningini. Bon, d'abord, donc. Nouvelle Arota Mekweyaki, Isaki Mokolo auto organisa qui conférence scientifique sur Taboulé. Parce que Ndenge Boyebi, Nabambula Nambula, depuis Taboulé Yakenda, tout ça là, tu organisa ka hommage Moko, il y a la mémoire naé. Et donc Mokolo Ango, tu as na Katia Sta, il y a conférence, Tango Nouvelle Ango et Kweyaki. Jusqu'au moment où Nazo Sala discours, le Taboulé, Nazo Lobazuke, Taboulé, Azala qui est des piliers, il y a Rumba. Donc il faut reconnaître que Rumba Nabiso, c'était d'abord une musique traditionnelle. Et Bandakiawa et Keiti Namikilikuna Nabakuba et Yekozonga sous forme ya Rumba moderne, si on peut dire. Et Bato va représenter qui Rumba moderne wana, et qui va Grand Calais. Ba Wendo, ba Taboulé tamo ba Epuya, yé, Taboulé a modernisé qui a moli souci. Parce qu'il faut toujours faire évoluer. Nanenga a salagi ke musique a moli ke deliboso, aza un des piliers, ya rumba moderne, na Kinshasa. Ngaipe, en tant que moi, nanaye, pour naza, on a deux rôles, on a un ministre de la culture, la province à Kinshasa, mais en même temps, pour moi, nanaye, bon. Alors, Madame la ministre de la Culture, on commence à faire rétrospective un peu. Il y a activité culturelle dans la ville de Kinshasa. C'est 2021 autour de l'État. Bon, qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir des activités culturelles dans la ville de Kinshasa pour l'année dernière? Kinshasa est la ville Moko, l'activité est ébélée. D'abord en termes de festival. Mais il faut quand même que le problème est de connaître, il y a Covid. Et ça, c'est l'activité mingi malgré tout, et ça qui annulé. La mesure barrière, tantôt va pour lever, tantôt va pour rejoindre ça va mesure. Donc l'activité mingi est là qui, comment dire, est qui annulé. Au fur et à mesure, nous avons avancé, au fur et à mesure. Parce que lever la mesure, parce que vous voyez que l'activité culturelle, on a Kinshasa d'abord parce qu'elle sera musique. Ou on a tous un festival. Mais par contre, en termes de musée d'Abissoueza et organisa qui va exposition pendant l'année. Et il y a eu aussi un colloque où on a retour il y a les œuvres d'art, notre patrimoine qui se retrouve à l'étranger. C'était aussi un grand moment. Et au biso bakinois, il faut te retenir Petocha Angoka. Un jour, au Kondi Angoka, Azo Bundela, Babiloko et Abiso, œuvre d'art na biso au Ezali à l'étranger, principalement dans Mboka Belgique et à Kozonga Ao. Ça aussi était un point, avec un point d'honneur. Et biso en général la musique, la ville à Kinshasa, aussi Sakana Festival Oyo, à l'hommage de Taboulé, Festilé. Moi-même, en tant que ministre de la Culture, Nafalaki va tourner littéraire, où je découvre de plus en plus écrivains, Oyo Bazo Koma,
par livre, par écrivain congolais, il y en a de plus en plus. Il y a eu aussi la FIKIN. FIKIN, c'est le festival du cinéma de Kinshasa. Que normalement, ils en ont besoin vraiment que Basungango, puisque Bakondiambo, Kapetina Nicolo, Tosungango, Makasi, Poekende, Iboso, il y avait eu quand même plus d'une centaine de films retenus dans le monde entier. France et Yaki, bah, États-Unis, bah, Yaki, bah, tout y a Afrique, bah, Algérie, tout ça, bah, Yaki, alors, pour présenter bah, film na Kinshasa. C'est quand même une fierté. Ce sont des rendez-vous à retenir. Bah, Fikin, bah, colloque, les festivals au Tozanango, bah, exposition d'art, Tozana, bah, centre culturel, les AP et Bélé. Parce que ce qui est dans lobby, parce que comme on a la zone à 4, on a fait la tournée, tantôt littéraire, tantôt on a la sculpteur, tantôt tout ça, et ça est belé. Et parfois on n'en est pas conscient. Notre pays, et principalement la ville de Kinshasa, c'est vraiment très florissant en termes d'art. On a vraiment très florissant. Ce que moi, parce qu'il y a la politique, mais il y a surtout l'activité économique, l'activité culturelle. C'est pléthore. Alors, Excellence, Madame la Ministre, vous avez parlé tout à l'heure des centres culturels. Nous avons un centre culturel congolais, le Jo, qui aujourd'hui ne présente pas une belle figure. D'accord. Alors, je ne sais pas, quel projet avez-vous pour la réhabilitation de ce centre culturel du Jo? Je peux dire que, dès mon arrivée, c'était mon souci qu'on se réapproprie ce lieu, que la ville se réapproprie ce lieu et réhabilite ce lieu. Je me suis directement rendu d'abord au centre qui gère notre patrimoine et c'est là que, étonnamment, j'ai appris que ce n'était pas un bien géré par Kinshasa. Vous savez que Kinshasa est dans le, comment on appelle, c'est le centre des institutions. Nous avons des lieux patrimonial, des lieux culturels ou autres, mais qui ne sont pas gérés par Kinshasa. Le cas du zoo. Et c'est comme ça que j'avais un partenaire qui lui nous avait demandé de faire un partenariat public-privé à réhabiliter un mot. Le partenaire est là jusqu'aujourd'hui, mais je ne contrôle pas le lieu. La ville, je dirais, ne contrôle pas le lieu. Donc je n'ai pas la décision de le réhabiliter ou d'en faire ce que je veux. Ce que la ville. Voilà tout simplement. Maintenant, c'est au niveau national de... C'est au niveau national, si je peux dire. C'est les compétences, en fait. Et les compétences étant d'attribution. Et bonjour, Excellence Yvette Tabou, à la Polinga pour le Bayali Bissou. Pour mettre mon pied, c'était Namaye Matali, ma œuvre culturelle, il y a ma jeune, il y a Bissou Bazali, comme ça, là. Et l'autre, ça comme on a ma plainte, les alliés, ça à ma mingi, par rapport à ma chanson, par rapport à ma censure, ma chanson. Et puis, à l'époque, il y a Kalatomona, qui est vraiment du loco wanate. Combat ni aux alliés qu'on menait, par rapport à ma parole, par rapport à la discipline, parce que quand on arrive à la congolaise, les lots, les alliés reconnus à l'UNESCO en tant que patrimoine. Et il faut que ma discipline, moi, est belle et ça. La carte, c'est maloba, il y a une jeune, il y a une jeune, il y a une jeune, censure, commission à censure, existe à part. Les autres existent, mais il y a un ministère, il y a justice. Et ça, il y a un ministère à culture D. Ni culture nationale, ni culture provinciale. Et donc, on y a un censure et ça, le pôle à sanction. Ce qui est monique, on a bloqué mon temps. Au ça les locaux. Il faut qu'il y ait sa sanction. Mais pour nous qu'il y ait sa sanction, il faut avoir la qualité dans le. Et là encore, Nandege, malgré que Motuna, Moutuninga ministre de la Culture, et la souci n'a pas. Autant Yangaï, qu'il y a Excellence Madame Foura, mais il y a un mabo pour Nabiso. Il y a un mabo pour la justice.
commission à censure. Vous voyez bien, c'est une commission à de censure. Donc, à ta piste autologique, vous êtes aussi fait dans votre à ta tobengi si ma jeune, tout l'obé la bango. Mais ce mot à l'obé à quoi vous avez dit, au souti sa yé, au souti sa yé pour vous yé, pour chaye tout le monde. Voilà, au Canada, il s'est arrêté et petit si on est mal débrouillé. Mais ça, on a beaucoup de choses. Donc, ça, on est né. Le niveau, on a un ici, quand on a. Et ça, il faut tout l'année là. Parce que jusqu'ici, on a quand on a dit. Alors que, vu son ministère de la culture, dans la nationale, dans la province, Bango, tous en a la division de Bissot, ou ils en a un agent Bebo. On a constaté ça, il faut l'andela. Mais parfois, suite à la rate. Les gens qui ont fait ça, ils 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 ont fait ça. Alors, Excellence, Madame la Ministre, je crois que autant vous n'avez pas de même mise sur le centre culturel du zoo, autant vous n'en avez pas également pour je crois, la salle Mouita. Non. Parce que c'est une salle aujourd'hui qui n'existe plus. Pourtant, c'était le siège du Théâtre National. Hein? Aujourd'hui, cette salle est abandonnée à son triste sort, je ne sais pas, même si vous n'avez pas de pouvoir. Mais le Théâtre National est toujours là-bas. Le Théâtre National, j'ai été les visiter. Voilà. J'ai été les visiter, voir l'état. Comme j'ai dit, le même partenaire voulait faire nous refaire toutes ces salles-là. J'ai été directement, on m'a interpellé, on a dit non madame, ce n'est pas dans vos attributions. Nous avons un projet dessus. Donc, ils ont un projet de réhabilitation, mais je ne sais pas quand. Ça moi je me demande, je me pose la question. Les années passent. Oui. Les années passent et c'est à Kinshasa. Tout le monde, quand il voit ça, il pense directement à Kinshasa. Oui, c'est ça. Mais ils ne savent pas que Kinshasa est limité par ceci ou par cela. Parce que ça se trouve à Kinshasa. Je dis, on aura un projet. Et puis, ce qu'on voit, bon, maintenant, c'est certainement possible que lorsque le projet de l'INA sera terminé, parce que comme vous savez, dans le temps, l'INA et le Théâtre National étaient ensemble. Ouais. Okay? Donc peut-être qu'ils vont libérer et nous donner une possibilité d'agir. Mais c'est vraiment plus qu'important de le faire. J'avais été contacté autant le zoo, autant le Mongita, mais vraiment dans les premiers mois quand je suis arrivé, parce que c'est quand même assez c'est visible. Quoi. On voit que là, il y a un problème. Okay? Ah, bon, directement, lorsqu'on me dit que... Et alors, on n'en a pas monté. C'est comme ça. Excellence, Madame la Ministre, autant que au lobby aux Apobunda, pour la réhabilitation et à la salle, et autant que aux Alipobunda, on a, il y a tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, autant que le lobby aux Alipobunda, pardon, on a, il y a Rumba, discipline et quota, on a fait ici à Baloubaba parole, l'image, les lots, on a niveau à jeunesse, l'ingé et bélé, babini. Basali pour ça la musique. Mais Basali pour y battre que musique, Basali œuvre moro qu'il faut protéger. Est-ce que le niveau Nabino, il y a le gouvernement provincial, le niveau Nayo en tant que ministre provincial, il y a culture, pour prévoir la plateforme Moko et Zali, au bilingue, on a beaucoup pour s'inscrire, pour s'enregistrer, pour aider Bango, pour protéger l'œuvre na Bango, protection des œuvres na Bango. Donc il y a des plateformes qui ont été prévues, tout et en a noté, tout pour prévoir Yango, pour Namboula et Sikao, tout. Bon, pour comprendre motuna na yo malamu ba jeune wana bazo sa banze muna bango sikoyo o dingi koyeba soki ba koki ko protéger banze protection nango tozo mona lelo réseaux sociaux et boté li so ba YouTube et boté li so ba WhatsApp et boté li so ba média mais so biloko ebele. Alors tant que soki musique e bimi mbalamo ko écouter na réseaux sociaux et mututu akoki ko copier et parce qu'on profite vraiment, parce qu'on bénéficie d'avoir un vrai nombre, parce qu'on s'est salaté. Pour tout ça, pour télécharger, tout ça, pour récupérer, pour consommer Penza, pour faire sa, comment on appelle, producteur, et faire permettre à l'artiste à vivre dans le salaire, et pour moi, difficile. Alors, il y a
des plateformes qui sont prévues, des mécanismes qui sont prévus pour les jeunes wana va se retrouver par rapport à l'œuvre na bango bazali pour ça. Oui, ndenge ezali ba Spotify au niveau là, ndenge ezali na photo, awa pe bilenge ba ezali na tana deux plateformes déjà, ezali coexister awa na Kinshasa. Mais ezali kaka pour na fonctionner ka pour na Congo, pour na RDC. Ça fait que la babenga ngoni toza limité et puis il faut koyeba ezali pe biso moko. Bah, auditeur, bateau et balini musique. Attitude na biso. Directement au Lingaka, au pirater. Na robena on ne yoa. Tu préférais qu'on kende ko télécharger, que toi qui n'est même pour s'abonner na ba plateforme wana. Ndenge ko loba, ba plateforme wana. Est-ce que combien autour na ba kinwa ba s'abonna ka on na zui na futaka 10 euros na rapport na zo ba na mesa ya oya mindele. Et on a euro. Combien bako bako s'abonner. Il faut tout conscientiser, il faut tout sensibiliser. Déjà le public na biso na ndenge fois consommer musique. Piratage existe toujours. Mais ndenge zo loba bako mati musique na bango. Ba sali clip. Clip ango mutu moko ka bango moko pe mutu bachaka ango. Ezate mutu ayiba ki clip na bango. Bango moko mutu bachaka ango na YouTube. Ba tele ango ndenge wana. Mais alors que tous les droits ne sont pas encore protégés. Mais Tozana, pour le moment, na Sokoda. Ici, chaque personne qui a créé œuvre nae, il faut qu'elle soit inscrite en gros. Au moins, on a déjà ça. Pour qu'elle soit inscrite œuvre nae na Sokoda. Et ma plateforme, comme na Occident, pourquoi Bisso Awa, il faut qu'elle soit l'état sale. Spotify, il y a l'état. Deezer, il y a l'état. Apple Tune, il y a l'état. Par contre, il faut qu'à travers la politique culturelle sur laquelle nous sommes en train de travailler, déjà au niveau du ministère national, et permettre que Tchaba garde Pona pour professionnaliser le secteur, industrialiser le secteur de la culture. Il y a encore beaucoup à créer, beaucoup vraiment à créer dans le secteur musical. Ne fût-ce que même par rapport à Rumba Nabiso, Oye Outihi, Kobima. Et là-dessus, je pourrais même conseiller que livre, il y a honorable sénateur, dans laquelle il a décrit vraiment un programme exceptionnel pour aider musique Nabiso et surtout comment on appelle la rumba et Zala bien maîtrisée et Ebanako rapportée économiquement. Donc tout ça c'est un travail à faire, mais et ça la madame Colombo. Voilà, alors madame, ça c'est la dernière question. Quelles sont vos relations, les relations que vous avez, vous, le ministère provincial de la culture et des arts, je ne dis pas madame la ministre, mais le ministère de la culture et des arts de Kinshasa, avec les centres culturels étrangers particulièrement, avec le centre Wallonie de Bruxelles et l'Institut français, les relations. Moins de relations avec l'Institut français, je parle du ministère provincial, mais plus avec Wallonie-Bruxelles. C'est souvent avec eux que nous travaillons, principalement. Pourquoi moins le centre français? Bon, ça s'est passé quand même. Alors, c'est la fin. On est en 2022. Qu'est-ce que vous prévoyez au ministère provincial de la culture et des arts pour l'avenir? On termine par ça. Cette année, hein, ça ne sera pas une surprise, c'est l'année de la rumba. Il faut vraiment qu'on puisse asseoir cette affaire. J'ai déjà contacté des spécialistes, si je peux appeler comme ça, où ils devront travailler en collège. Je leur demande de nous faire une étude non exhaustive qui pourrait permettre qu'on maîtrise mieux la rumba. Parce que j'ai entendu ici citer, vous parliez de la rumba. Mais c'est quoi la rumba? Il y a une histoire à la rumba. Okay? Par rapport à cette rumba, est-ce que tout ce qu'on entend, c'est de la rumba? Vous avez dit qu'il y a des dérivés. Oui. Mais est-ce que c'est spécialement des dérivés de la rumba? Donc il y a
ça déjà qu'on doit bien déterminer. Il faut que les critères soient clairs. Quand on chante comme ça, on est dans la rumba. Quand on chante de telle façon, on est dans... Il faut avoir les courants. Voilà. Tout ne s'inscrit pas dans le courant de la rumba. Mais c'est quelque chose que ce n'est pas à moi de le décréter. Il faut que ça soit décrété par des experts avec des sources fiables. Voilà. Et là, j'ai déjà contacté le sénateur. Aujourd'hui, je cherchais même à parler avec l'historien Eli Kiambokolo. Donc, il y a 5-6 personnes que j'ai ciblées auxquelles je voudrais demander qu'ils me produisent une étude par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous ai cité directement le livre de l'honorable Mumengi. L'économie de la rumba. Qui est déjà très dense, mais qui doit être complétée par d'autres expertises. Ça, c'est par rapport à ça. Organiser ou intensifier, parce qu'il y a les festivals qui existent, il y a Rumba Parade qui existe déjà. Et vraiment, je souhaiterais préparer une tournée par rapport à la rumba, même ne fût-ce qu'en Afrique. Merci beaucoup, madame, de votre disponibilité. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau en ce premier jour de l'année 2022. Merci et plein succès dans votre travail pour cette année 2022. Merci beaucoup. Non. Poor people, you're going to feel bad because you... C'est comme ça la vie. Voilà, nous revenons sur le plateau après donc cette belle chanson de Taboulé qui nous a permis de nous souvenir de la rumba. Taboulé, nous l'avons dit, figure parmi les pionniers de notre musique qui ont élevé la rumba pour qu'elle soit reconnue aujourd'hui comme un patrimoine mondial humanitaire de l'UNESCO. Judith. Oui, nous sommes revenus sur ces plateaux. Et bonjour, Tozali Koyamba, coordonnateur, il y a Kinshasa Bopeto, Germain Poundou, au Azali Nebiso, déjà tout le binaire. Bonjour, monsieur Germain Poundou. Bonjour. Je crois que ça fait aujourd'hui 2 ans, parce que c'est depuis le 19 octobre 2019 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, avait lancé, hein, en présence bien sûr. De son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka. Hein, l'opération Kimbopeto, c'était dans la commune de Bandalungwa. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans. Alors nous voudrions savoir, les Kinois voudraient savoir comment doit-on comprendre le concept Kimbopeto. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas, monsieur Germain Pou? Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Bonne année. Bonne année à vous. À vous. Et Kinshasa Bopeto, vous voulez le comprendre, vous le comprendriez en 2 bons morceaux. Le côté environnemental, le côté salubrité et l'autre côté qui est le côté changement de mentalité. Kinshasa Bopeto reste un défi de changement de mentalité. Et nous nous battons, bien sûr, derrière le leadership de son excellent monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour que les Kinoises et les Kinoises comprennent que la propriété de l'environnement va de pair avec la propriété intérieure de chacun de nous. Voilà. Vous allez vous rappeler, Bana Kinshasa, Bazali Kolanda, nous sommes sur ce plateau en direct de la RTNC. Vous allez voir la place de la gare. Et si vous allez vous rappeler, direct de la RTNC. Bonjour, cordon, pour vous, coordonnateur, il y a Kinshasa, vous pouvez vous saluer. Partenaire, il y a Kinshasa, vous pouvez vous saluer. Vous allez vous rappeler, 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 vous allez vous ONG, vous allez vous individu, vous récolter pour vous rappeler, vous allez vous rappeler. Misala ya Kinshasa Bopeto ndengo moni na embumba ya Kinshasa Mobimba
les alina catégorie ni sato ya bateau au bazar au salamosala. Tobangina nous, na ouais azali instrument désigné ya salubrité na ville à Kinshasa. Les ali régine abisso tobengi na combo ya raskine régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Régie wanezali na baike oyo bazui formation bazana makoki pour na kosala misala ya bopeto. Simana yango tozali na ba brigade bopeto. Chaque commune a un minimum y a 60 brigadiers oyo bakambami na ba coordonnateur communaux ya bopeto. DVP papa gouverneur a dingi que bopeto ezala lisolo ya mwana kisasa nyonso. Tosengaki pe bandeko oyo bazali na ba ONG oyo bazali na ba association basalaka misala ya salubrité baya kosangana na biso. Au total lelo bopeto azali le plus grand employeur ya ville ya Kinshasa. Po na oyo nyonso na tangi tozali au moins na 6000 personnes baza kosala butu moyi mpona engumba na biso ezala pepepe ndenge tata mokonzi ekolo asengaka na bandal na mokolo ya inauguration. Oui, mais monsieur le coordonnateur, dites-nous un peu, où en sommes-nous avec l'évolution de Kinshasa Bopeto à travers les communes? À travers les communes, Dengo Moni, Dieu donné, ceux qui ont allé moi, ma casse, au courant au temps pour la Nabiso, au Monaco, Naputu, commune Nyonso à Kinshasa, ils allaient dans le bateau, Bazako Komba, Bazako Sala. Chaque commune vit Kinshasa Bopeto, Engebene, Nandenge gouverneur à Lingaki, Tokende Di na base. Ma question a été donnée à Tokolo Bape, commune Nyonso à Kinshasa. Ezali Lelona, coordonnateur Bopeto Nae, coordonnateur adjoint, peine à charger des opérations. Ce qui est au Kiti, à niveau de quartier, chaque quartier a un coordonnateur Bopeto, coordonnateur adjoint, n'a chargé des opérations. Toké na organisation en a dit à niveau à la rue. Lelo, chaque chef de rue a un coordonnateur Bopeto pour la rue Naye. Donc, Moussa les a kokoba, organisation les a kokoba, en tout cas, ben, Kinshasa va continuer comme ça la confiance dans mon cambia ville, Jean-Tini Ngobilambaka. Oui, Azali visionnaire, il y a Kinshasa Bopeto. Mais cordon charmant, tout le monde peut être à Kinshasa, et ça peut être une organisation à Bango. Oui, ça l'a rappelé, mon salaire a connu la salité. Bazali peut être un matériel à Bango. Et bon, pour que tout ma partenaire, il y a Kinshasa Bopeto, il y a un peu de salaire. Depuis Tozoaki Bokambi, il y a Kinshasa Bopeto, ton lancé qui appelle. Ma ONG Nyonso, basé dans le secteur environnement, va commis comme ça. Dans un registre, va être commis comme ça. Dans ça, la cabane enquête. Parce que Moutoumoussou, ça va dans la chambre, naé, Abi Nazali, Nangina comme un partenaire Bopeto. Toboïté. Mais ma critère, Ezali, Kili Kili, Oeza pour permettre aux ceux qui ont eu, tout en bas, malamou, tout la qui s'en est là, il faut au Kende, la Raskine. Pour ça, yo, document est ko habilité yo, aussi ma poubelle, aussi ma bosoto, et que ça la misala wana. Document n'est le kaka, et pas un ministre environnement, à Kotia Linzaka, pe au commis partenaire, tant que tozo luka, bao bazo komo la nabanzela, toko benga yo, toko peso moi et tateno ya mabele, po, ome mabatu, ko kende bosa la mosala. Monsieur Germain Pouillou, tous les mois, nous entendons parler des journées Bopeto. C'est quoi ces journées? Les journées Bopeto, en fait, c'est des journées consacrées au travail d'intérêt communautaire, à des travaux d'intérêt communautaire. Ces journées ont été lancées le 19 octobre par le chef de l'État qui avait demandé à ce que chaque dernier samedi du mois, que l'équinoise et l'équinoise, ça donne à des travaux bénévoles de salubrité, d'embellissement
et de pauvreté de notre ville. Là, nous en sommes à nos 23e journée. Parce que nous avons eu une interruption, nous aurons dû avoir 27 journées maintenant. Nous avons 23 à cause de la Covid. Hein, nous avons eu une interruption qui nous a coûté à peu près 5 à 6 journées. Mais les journées Bopeto vont bien. Chaque samedi de fin du mois, l'équinoxe se mobilise. L'équinoxe se mobilise pour le grand nettoyage. Merci beaucoup, DG Germain Boudou. Moi, je pense que vraiment, comme il y a souka, il y a pas question de ce qu'on a dit à Sabopeto. Toi, ici, merci Mingi. Oui, la plateau Nabiso, la plateau Nabiso Oyo, pour Solana Banakinchasa, pour Banakinchasa, vraiment, Bazaki Komituna. Mingi Bazolo, Kinshasa Bopeto, Zalika Kassilogan. L'intérêt, Bazomo Namsa, les Ali, tout ça, m'a vraiment dit. Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto et Ali Soudan. Mais Mingi, Bazako Mona Misala, Bazako Mona Ndenge, Boudou Mobimba, Bakinoa Bazako Sala, Kinshasa Bopeto et Ali Soudan, et Ali Bosolo, et Ali Misalo, Bazako Mona Boudou Moi, Bazako Lalate, Bazako Lala, Bazako Komba, Bazako Lokota, Bomoni Limete, et Ali Kinshasa Bopeto. Bomoni Linda Oyo, ezali Kinshasa Bopeto. Et bon vérité, ezaka slogan. Bao baza ko beza slogan, baza ba résistant au changement. Bao ba boy mbongwana, toko landa bangote, biso toko kobobe, na misalo au papa mokonzi, Jean-Tiningo Milambaka, après si biso poto bongola, et mbumba Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Germain Poudou. Chers téléspectateurs, chers Kinois, chers Kinoises, nous vous rappelons que nous sommes ici à la place de la gare centrale. Vous voyez l'ambiance qui règne. C'est la fête de Nouvel An. Les Kinois sont là. Ils sont tout autour de ce plateau parce qu'ils sont contents de cette émission. Ils veulent savoir ce que le gouverneur David de Kinshasa et le gouvernement provincial David de Kinshasa ont pu réaliser durant l'année 2021. Donc ils suivent l'émission de Vizu en direct ici sur cette place. Bon, vous nous suivez là-bas, chez vous, dans vos salons, devant le petit écran. À 19h, nous allons recevoir ici sur ce plateau en direct de la Radio-Télévision Nationale Congolaise son excellence, monsieur le gouverneur David de Kinshasa, pour nous parler, pour vous parler à vous, Kinois. Et c'est là jusqu'aux environs de 19h55, puisque à 20h, nous devons rendre l'antenne à la station pour la grande édition du journal télévisé. On n'en est pas encore là. Merci, monsieur Germain Poudou. Quelles sont les perspectives d'avenir de Kinshasa Bopeto pour cette année 2022? En tout cas, pour l'année 2022, nous continuons le programme. Notre mot d'ordre est la salubrité mentale et la salubrité physique. Nous n'avons pas changé. Les perspectives sont bonnes. C'est une perspective qui voudra que Kinshasa revête sa plus belle robe. Et vous voyez déjà cette robe avec quelques perles même. Et nous sommes dans le bon. Et nous demandons aux Kinois et aux Kinois de continuer à soutenir le leadership de Jean-Tini Mobila Mbaka. Merci beaucoup. Alors, sans transition, je crois, Judith, nous allons demander à monsieur le conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Bonnet Kimina, de venir sur le plateau et de faire une entrée champ parce que nous devons courir derrière le pendant temps. Pendant que monsieur Bonnet Kimina, le conseiller technique qui a gouverneur de la ville de Kinshasa, Azali Kopusana, pour vous rappeler que Kinshasa Bopeto Nenge, coordonnateur Germain Poundou, a aussi que le Bayango Awa, Ezali et Bongo Sloganté, parce que Tozali, comme on a cordon Germain Poundou, Azali Kosa, nous sommes en terrain, et Kinshasa Bopeto Toza Kosa, le cordon Germain Poundou, a aussi que le Bayango Awa, et sa mentalité, la vie se va qui nous a tout mis à pour bon ou l'ango. Poubelle les alliés n'a pas, mais au commun, on a mouton à coléka. Voit qui salité n'a ma belle et puis à l'équipe n'a pas qui poubelle ou n'a et salit coléka. Et bon, on a conseiller technique, tout le monde déjà dans la plateau n'a vu ça.
Bonne année, conseil technique. Bonne année, conseil technique. Bonne année, Dibina. Bonne année, maman. Bonne année, mon ami. Bien. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler infrastructure. Infrastructure dans la ville de Kinshasa. Nous voyons beaucoup de chantiers aujourd'hui de la ville de Kinshasa sous l'impulsion de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est sur la vision du président de la République. Vraiment, il est sur la vision du président de la République parce que aujourd'hui, il se présente comme le bâtisseur de cette vision du président de la République qui veut que Kinshasa, en tant que miroir de la République démocratique du Congo, puisse revêtir sa plus belle robe. Et au-delà de Kinshasa, tout territoire national. Et le gouverneur David de Kinshasa, Jean-Philippe Gobila, a compris cela. C'est pour ça qu'il se bat pour qu'enfin Kinshasa devienne une label d'antan. Infrastructure. Parlez-nous un peu des infrastructures aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Merci, monsieur le journaliste. Nalinga Asoyi Tokoloba, conseiller technique qui a gouverné la ville de Kinshasa et Bongo. Ce qui est vraiment la plateau, c'est pour ça que vous avez la Baïke, Bana et Kinshasa, et après mon nom, c'est la Zalie de la Bambo, Maï Matali, Bakambotali, Bandela, Maï Zalie Kotala, et Zalie Nyos, Zalie Kotongama, la ville de Kinshasa et Bongo, le lot, c'est que vous vraiment la plateau. Vous avez pour ça, mais vous avez la vie. Comment on va Manissa, la Nyos, il y a une fratitude dans le monde. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En ce qui concerne les infrastructures de la ville de Kinshasa, à son avènement, le gouverneur de la ville a fait un état de lieu. Cet état de lieu était désolant. La ville de Kinshasa, au niveau de la voirie, était déficiente, avec une voirie pratiquement en état de décrépitude très avancée. Alors pour ça, il a pris des options fondamentales pour pouvoir améliorer cette situation. Ces options reposaient sur quatre axes. Le premier axe était la réhabilitation des routes qui existent en faisant des points d'entente régulièrement, moderniser les quelques routes qui existent et construire de nouvelles routes. Parce que dans la ville de Kinshasa, depuis l'indépendance, vous devez savoir, nous avons eu l'indépendance en 1960, la ville comptait 400 000 habitants, avec une voirie pratiquement à peu près de 500 km de route revêtue. 60 ans après, on n'a pas rajouté grand-chose à ça. On est toujours là de 475 à 600 km de voies de chaussées revêtues. Alors, Gentilin Gobila a décidé de rajouter un plus par rapport au nombre de kilomètres qui existaient. Alors, en ce qui concerne les chaussées revêtues neuves, nous avons construit ce qu'on appelle des routes transversales, intercommunales. Je prendrai le premier exemple. C'est l'avenue Elengesa. On revient toujours sur l'avenue Elengesa. Pourquoi? Parce que l'avenue Elengesa, quand vous prenez l'avenue Elengesa, c'est le prolongement de l'avenue Kassavou. L'avenue Kassavou prend sa source au niveau du centre-ville, sur le boulevard du 30 juin, jusque vers Mariano. De Mariano jusqu'à Makalangouza, donc sur l'avenue Ngiringiri, nous avons réhabilité totalement cette avenue-là. Totalement, c'est-à-dire, c'était une avenue qui était dans un état de décrépitude très très en feu, très avancé, avec des grands trous, des crevasses et tout ça. Donc on a réhabilité ça totalement. Puis après, on a dit, on va construire une nouvelle route qui n'a jamais existé dans la ville de Kinshasa. Entre Makalangunza pour atteindre Bypass. Alors pour construire cette route, des grands travaux et clients ont été réalisés à cet endroit-là. Je veux d'abord vous informer votre information. Donc, même un Wawa ne pouvait pas passer sur cette avenue-là. Donc, nous avons ouvert cette route, nous avons fait des purges jusqu'à à la profondeur de plus de 6 mètres, où on a extirpé des immondices de toutes sortes. Et on a commencé les travaux de cette route-là, qui maintenant ont atteint pratiquement 5 km, et il nous reste 1 km pour atteindre Bypass. Et là, nous sommes bloqués au niveau des bypass par une expropriation d'une construction d'étage qui est là. Bientôt, le gouverneur va prendre un arrêté pour pouvoir soit exproprier cette maison-là,
pour nous permettre de dépasser et de terminer cette avenue Bypass et l'Engessa. C'est une transversale de la ville, donc nord-sud. Ça part du centre-ville jusque vers le sud de la ville qui est Mongafula. Vous traversez au moins 6 communes. Kasavubu, Kalamu, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembao et Mongafula. Quand nous prenons l'avenue Kikwiti, qui est encore une deuxième transversale de la ville, c'est parti dans le prolongement du boulevard Lumumba quand on vient de l'aéroport de Ndili. On arrive sur échangeur délimité par la voie. On traverse les communes de Lemba, Limité, Ngaba, Makala, Kalamu, encore une fois Bumbu. Et dans une première phase, nous allons nous arrêter sur Elengessa. C'est quoi cette envoi de traversant qui permettra à une personne qui vient de l'aéroport, au lieu de passer par Victoire comme d'habitude, pourra prendre directement à partir de l'échangeur de Limité, l'avenue Kikwit, va déboucher sur Elengessa, puis après sur l'avenue Ngiringiri, qui va aller sur l'avenue Libération. Je peux encore prendre la troisième transversale de la ville, réalisée par Gentil. C'est-à-dire que ça, c'est tout ça pour ouvrir des quartiers qui étaient pratiquement enclavés. L'avenue Mombele, qui part pratiquement de l'avenue Bongolo, qui va rejoindre Bypass encore dans la commune de Lemba. Donc quand nous prenons l'avenue de la paix, qui part du pont Matete, jusque vers Gifla, sur 14 km, mais maintenant jusqu'à présent 6 km ont été réalisés. Ça, ce sont des transversales, des avenues, des innovations que Gentini a apportées par rapport à la voirie de la ville de Kinshasa. Il rajoute quelques kilomètres sur ce qui existait. Il ouvre des pans de quartier qui étaient pratiquement isolés, c'est économiquement et socialement, au bas pratiquement de la ville. Et il appliquait une modernité dans la ville de Kinshasa. Au niveau des réhabilitations des avenues, ici en plein centre-ville, nous avons réhabilité l'avenue Bongala devant l'ambassade de l'Italie, qui était aussi dans une situation vraiment très très piteuse. Nous avons réhabilité une partie de l'avenue Victoire entre l'avenue Kasavubu et Éthiopie. Nous avons même bétonné complètement. Nous avons réhabilité une partie de l'avenue Matete devant le parquet de Matete. Donc la liste est exhaustive. Ça c'est au niveau des réhabilitations. Mais les travaux d'entretien régulier est réalisé par l'OVD en concertation avec la ville, parce que l'OVD bénéficie de ce qu'on appelle la quotité du fonaire réservé à la ville de Kinshasa. On met ça à la disposition de l'OVD pour faire les travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa. Vous verrez par exemple le rond-point Kimpwanza, qui était dans un mauvais état, qui a été réhabilité. L'avenue Kasavubu vers Bandal, vers le rond-point, la même chose. Donc à plusieurs endroits de la ville de Kinshasa, donc nous sommes en activité. Et il faut encore rajouter un autre des plaidoyers des gouverneurs de la ville par rapport aux partenaires, par rapport aux institutions qui existent pour les travaux de la ville de Kinshasa. Vous avez compris, le président de la République a inauguré le projet Tilejelou pour la ville de Kinshasa. Et c'est sur pratiquement tous les districts de la ville de Kinshasa. Pour l'instant, les habitants qui habitent vers, au-delà de l'aéroport, vers Bibwa, ont l'avenue Terre Jaune qui a été complètement réhabilitée, elle est déjà fonctionnelle. Les amis de Ngiringiri voient par exemple une autre transversale, l'avenue Makanza, qui va partir de Elengessa jusqu'à Libération, et les travaux se font. Toujours dans la commune de Ngiringiri, l'avenue Asosa, qui est en train de partir vers Bumbu, Selembao, est en train de se réaliser. À part ces projets, il y a des projets ABC, qui va travailler sur Kimwenza, sur l'avenue Sayo, et les entreprises sont à pied d'œuvre. Je rajouterai encore le projet Modern Construct, qui est toujours un projet en partenariat avec la ville, où la plupart des avenues de limité industrielle sont en pleine réhabilitation. 12e, 11e, 7e, boucle d'Ilando, c'est tout ça. Si nous rajoutons encore les projets que nous avons initiés avec le gouvernement de la République par le ministère des ITPR, Kinshasa Zéro Trou. Oui, les gens disent Kinshasa Zéro Trou. Kinshasa Zéro Trou, c'est un objectif à atteindre. C'est-à-dire stabiliser toutes les routes qui empêchent à ce que la circulation soit fluide, en déstabilisant à l'école matin. C'est ça la définition du Kinshasa Zéro Trou. Là, nous sommes dans une première phase d'un quart de travail qui est en train d'être réalisé. Les entreprises attendent peut-être un seul pour terminer les travaux et une deuxième phase va encore être rajoutée, une troisième phase. Voilà un peu de mots, si je peux vous résumer, à ce qui concerne les infrastructures et volets, voiries dans la ville de Kinshasa. Je suis à vous pour les questions.
sont pas arrêtés. Les travaux de voirie commencent toujours par ce qu'on appelle les assainissements. Si on a eu des problèmes au niveau du rond-point Willery, ce sont les eaux qui viennent vers le pont Victoire, des eaux qui viennent de l'ancien de la cité, commune de Kinshasa, qui se déversent tous sur le petit canal qui est sur l'avenue Kabamba, et qui est même pratiquement avec tout ce qu'il y a comme conduite de la régie des eaux et de la SNEP, qui font que chaque fois qu'on tient les eaux débordaient. On a construit un deuxième collecteur sur l'avenue de Willery, et on fait traverser ça. Et maintenant, on est en train de faire les travaux de stabilisation de la route avec les différentes phases. Et là, on est maintenant au niveau, bientôt, on va faire des imprégnations. Il y aura les boulons qui vont passer par là, font des gens un bénéfice. Voilà. Et bon, on a plateau Royo, après conseiller technique, il y a le gouverneur à Villa Kinshasa, Tokoyamba Bongo, directeur, il y a DGRK, APDELCA, j'allais dire, agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa. Mais Tokolinga, conseil technique, avant Obima Okende, Omega Polimbo, la biseau mon Mukena Lingala, Maenios Ouki Koloba, pardon, Namoukousse vraiment. Oh mais quand vous avez Kinshasa, État Yabandela et comme il y a puis en 2022 vous prévoir nous. Et nous avons la Kinshasa, pas de la Nécal, pas de la confiance, pas de la Kondiambo, pas de la Bamba Kinshasa. Le Kondiambo, quand on a promis qu'il y a Koutaki, que Bandela Kinshasa, c'est qui, Balonga Bingité. Bandela Kinshasa, c'est un déficitaire, bon, et ça, ok, pour nous avoir un détour de ma contournement. Il y a un mois d'année, dans le programme, c'est qui, la projection de ça. Pour la bandera à Sika, pour la quartier Oyo, pour la Makala, dans la Makala, depuis toujours l'indépendance, ma monata 10 mètres et à route asphaltée. Pour les bandera, tout le monde dit que le Baba est né. Aujourd'hui, Baba n'a pas qu'il quitte. 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 Entretien routier régulièrement, pas pour une chose surtout. Mais ma belle mine, je suis le fondateur du sous, avec ta moitié, population à qui ça sert. Nous avons considéré tout ce qui est conduite à maille, par ouvrage à drainage, le cola, ma place à l'heure, au bois canadi, ma sanité, la bourse de la vie sur le roi, ma déchante. Si bien que ceux qui m'ont les bêtises, ma maille était mise sur la balabala, au bout d'un même trou, ils vont devenir. On va trouver un entretien routier. Pourquoi? Parce que Bandela tout le temps, ils ont plus de vieilles depuis les 50 ans. Or, durée en voirie normale, ils ont pratiquement 15 ans. Après 15 ans, il faut qu'on réhabilite totalement. Ce qui ne se fait pas régulièrement à la Catabine. Autrement dit, on va dire, 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 l'impulsion est là, on est en train de mettre la base, les basiques, pour que vous sachiez ça. Merci beaucoup, M. Bonnet Kimina. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tony Mobilam Baba. Merci. Bonne année 2022. Tout bonne année. Je saisis cette opportunité pour présenter les meilleurs voeux à mes collègues du cabinet, ouais, à ma famille, à mes amis, à mon épouse, à mes enfants, même ceux qui sont en Europe au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je dis que nous allons demander à madame Ida Kuntara, qui est le directeur général de l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, APDN. Avec lui, nous allons parler donc, avec elle plutôt, nous allons parler numérique dans la ville de Kinshasa. Elle est en train, je crois que... J'aimerais préciser, APDNK, on a baillé bien APDNKT, APDNK et Zali Bongombela. Il y a président de la République, il y a Pesaki Naba Ville Nyonso, il y a Congo. A Sengaki Naba Ville Nyonso, il y a Congo, va créer agence Moko, ma province, voilà, ma province Nyonso, il y a Congo, va créer agence pour la côté. Cette colobela Makambo est allée numérique. Et bon, on a la colobela, on m'invite, maman Ida, Zali Nabi sur le plateau, je peux essayer, bonne année, maman Ida. Mais quand vous expliquez, Baïke, Bana Congo, moi, mon tien, mon coup, c'est vraiment APDNK et Zali Nini. Merci. APDNK est agence provinciale pour le développement et numérique dans la ville de Kinshasa. APDNK est créée le 19 septembre 2020 par l'arrêté Oyo, gouverneur Chantini Ngobila Mbaka,
Azwaki, qu'on a matérialisé la vision du chef de l'État, où Ezalaki manifestait à travers le plan national du numérique à l'horizon 2025. Donc voilà. Le président de la République, dans sa vision, considère le numérique comme le levier du développement. C'est-à-dire qu'il avait demandé à tous les gouverneurs de faire en sorte que le numérique soit mis en avant dans leur mode de gestion. Alors, le gouverneur de Kinshasa aujourd'hui, Jean-Claude Ngobila-Mbata, est considéré comme le premier à se lancer sur cette voie-là qui constitue la vision du chef de l'État. Quels sont aujourd'hui, que peut-on dire aujourd'hui de l'APDNK? Quelles sont les réalisations de l'APDNK dans la ville de Kinshasa? Parce que je me rappelle, au début, quand vous avons reçu dans vos émissions, vous avez dit que toute la ville de Kinshasa sera baignée par le Wi-Fi. Vous comptiez numériser la ville de Kinshasa. Où en est-on aujourd'hui? Oui, effectivement. Parmi ma mission au Yabiso, l'APDNK, nous avons comme mission de réduire cette facture numérique. Et quand nous parlons de réduire la facture numérique, c'est-à-dire apporter le numérique vers la population quinoise et quinoise. Et il y a un projet où il y a avec ARPTC, il y a pour placer effectivement par internet, par place autobengi, par site récréatif. Et puis, il y a quelques sites universitaires et un projet. Mais je crois que l'année autobandi, vers déjà février, mars, et Tokobanda déjà pour matérialiser le projet. Oyo autobengi pour réduire la fracture numérique. Alors, concrètement, bon, ça, la Nengeni, est-ce que le fibre optique, est traversé vite de Kinshasa, fibre optique, parce qu'il y a des endroits où vraiment on sent que quand vous êtes en train de travailler sur les nets, quand vous êtes en train de naviguer, on sent que depuis on s'appelle Malamouté. Comme vous avez dit, la prise de facture. Alors, fibre optique de l'eau, vraiment la ville de Kinshasa, tout le monde va vraiment être en place maintenant. Ok. Narani, si l'APDNK existe, ça fera bientôt une année. Avec tout ce qu'il y a eu comme le problème de Covid, il se pose un problème réel, il y a infrastructure numérique. Nous devons mettre en place les infrastructures numériques qui vont nous permettre de faire face à tout ce que vous venez relever comme problème. Parce que jusque-là, il se pose un problème d'infrastructure numérique. Et c'est parmi les priorités de Gentilin Goubin. Donc voilà. Alors, Madame Muntara, quels sont les projets de la FEDENTA pour cette année 2022? Pour la prochaine année, et pour cette année d'ailleurs, parce que nous sommes déjà à 2022, nous allons d'abord premièrement faire un état des lieux de l'existant. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs prestataires qui prestent dans le secteur du numérique dans la ville de Kinshasa. Et nous devons faire un état des lieux pour évaluer un peu où en sommes-nous, quel est l'apport de ces prestataires-là dans la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous devons en principe contribuer à la croissance économique. Mais pour contribuer à la croissance économique, nous devons mettre des solutions sécurisées et fiables qui vont permettre à nos équipes de collecter des taxes, impôts et dévances en toute sécurité. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de problèmes dans ce cadre-là et c'est pourquoi nous avons pensé commencer par faire un état des lieux, de l'existant pour évaluer, voir quelles sont des forces, des faiblesses et des opportunités et voir comment améliorer là où il y a des faiblesses.
Le vrai problème que Kinshasa a, Kinshasa c'est une ville de 15 millions d'habitants, mais vous allez remarquer qu'il se pose un grand problème de données. Tant qu'on n'a pas de base de données fiables, tout est biaisé. Parce que nous ne pouvons même pas projeter notre prévision budgétaire sur base de données déclaratives. Il faut commencer par faire l'identification. Voilà pourquoi je parle de l'état des lieux. On doit faire l'identification des assujettis moraux et physiques pour nous permettre d'actualiser notre répertoire en vue de projeter maintenant notre prévision budgétaire à travers les données fiables qu'on aura à constituer. Donc voilà. Bonne année, merci. Luta, qui est donc DG de Jarka, et bon, ceux qui n'ont pas pu vraiment à Port-Namal, DG Félicien Kouluta, directeur il y a de Jarka, où ils allaient beaucoup parmi ma service, où ils allaient pour sur la ville de Kinshasa, à travers ma recette, où ils allaient pour ça, la fond, ville et Tongama, le lotto, c'est mon avis, d'un et comme Kitoko. Que tout ça pour fêter tout ça à la place de la gare, vous allez comme on a dit des gazali en Béli, tout le monde a mes forts et allez tout ça à ma place à la ville de Kinshasa et parmi les services où allez que sont là moi l'ambassadeur gouverneur à ville de Kinshasa Jean-Denis de Bilapaka à Kendemwa Liboso na misala nae et bongo et allez service au Tobengi de Jarka DG à allez déjà na plateau de Biso Tobengi. Bonsoir et bonne année DG Félicien Kouluta. Merci. Merci d'ailleurs mes meilleurs voeux à madame et à vous-même et à vos familles respectives. En ce qui concerne la culture des impôts dans le chef des Quinois, je crois que c'est un processus. Il faut beaucoup de campagnes, il faut beaucoup de sensibilisation pour qu'il y ait ce changement de mentalité. Il vous souviendra qu'il y a 2 ou 3 mois, le chef de l'État avait lancé au Palais du Peuple la campagne sur le civisme fiscal, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas dans la mentalité des Congolais en général, des Quinois en particulier, de payer librement ses impôts. Donc là, c'est un processus. Nous sommes en train de faire la campagne pour les amener à changer de mentalité, aller vers cette culture de payer les impôts. DG Félicien Kouluta, mingi basali ko loba mais to futa ka ba impôt to sali ko mona to sali ko yeba te mbongo na biso to sali ko futa ya ba impôt et ce qui ende wapi et sali ko sala mo sala nini et le lo vraiment to sana yo to suis occasion ko ya mayo na plateau oyo mais ka ko yemisa ba ike bana ya Kinshasa basali ko landa yo na etando oyo ya RTNC comment ça se passe et les kapanenge nini mbongo ba sokaya ba taxe ba impôt et ke ndaka ekomaka na niveau nini pe sa ka pa bon sala nini mbongo ko sokaya. Ok, merci madame. Je suis un Kinois Bafutaka pour Nanzela et un impôt na ba taxe. Et une contribution na bango pour na misala ya kotombola ngumba Kinshasa. Donc chaque fois que Kinois a son fouta impôt na ye, a son fouta taxe na ye,
azo contribuer azo pesa makoki na gouverneur po asala misala o izo développer engumba Kinshasa misala yango nini afuta la afuta kambongo yango ndenge nini mbongo bafutaka na nzela ya ba banque bakena na ba banque bafuti mbongo biso desher kato kongolaka eza mbongo na biso te eza mbongo ya ville ya Kinshasa comme na lobaki ezali contribution ya chaque kinois pona misala gouverneur fwasa la pona mboka donc bafutaka na nzela ya ba banque ekotaka na ba compte ya ville ya Kinshasa yango nde permettaka gouverneur Toto yamba avanga wa boyamba ki conseiller technique ya gouverneur a la kisibino misala oyo gouverneur azo sala na nzela ya banzela mingi azo sala alobaki na landaki na nzela ya OVD mais aussi na ba fonds propres wana ezali nini ezaka ba taxe na ba impôt oyo bakinwa bazo futa Yangwana tozo senga bango nazo profiter ba continuer ko futa ko futa ba mpa ko na ba tax po yangonde zo permettre gouverneur zo pese makoki ya ko construire banzela ya sika na yoki conseiller technique alobi banzela mingi ezala kite le gouverneur asali banzela ya sika a réhabiliter pe banzela mususu mingi mingi azo sala na nzela ya mbongo ya auto zo benga ba fonds propres au biso DGRK tozo Kongola. Il n'y a pas que ça awa toza na na gare centrale na landaki coordonnateur ya Kini Bopeto a yebsibino ke ville Mobimba et lati robe ya sika robe wana gouverneur azu makoki oyo azozwa na nzela batu musu na nzela ya niveau national c'est vrai mais mingi pe ezaka makoki ya fonds propres fonds propres wana ezaka ba taxe na ba impôt oyo ba kinois bazo futa chef de l'état asengaki ke batu nyonso ba futa ba impôt na ba taxe et puis ba impôt na ba taxe wana elakisa misala oyo esengeli kosala na yango nakanisi ke gouverneur a ville ya Kinshasa azali ndakisa azo lakisa misala oyo azo salela na mbongo biso tozo Kongola DGRK oto zotia na disposition na ye po ameka ko kotombola engumba Kinshasa même soki zana ne belete parce que batu mingi bazo futa te problème ya mingi mingi ezali awa ya mobilisation ba recette tozo luka ba technique belé pour que toye ba ko benda ba recette wana o zana maboko ya ba kinois da culture fiscale oto lingi to imposé au chef de l'état a institué ba kinois ba futa pour e permettre yazo ba moyen le susu pour asala ba projet azanango donc na kotanga ba misala mingi te o azo sala na nzela ya mbongo tozo Kongola misala za ebele ezo monana ba éclairage public ba assainissement ba route na misala ndenge na ndenge kita so yito ko kipeko ko fike na na yo za na plateau oyo toye ba banani ba sengeli ko futa ba tax et puis ba tax nini o ba kinwa il faut ba futa ba ye ba yango a partir ya lelo ba koma yango na ba agenda na bango po ezala te ke toza ko futa ba tax mini kili kili a tout moment ba tax eza ba tax nini et puis ba nani esengeli ba futa ba tax ok merci madame pona mutuna na yo ezali pe occasion ezo permettre nga parce que to bandi mbula ya sika mbula 2021 esili 2022 tozo kota deja na janvier tozo kota na campagne ya kofuta ba impôt o tozo benga échéance 2022 ba impôt yango e kofuta ma au plus tard le 1er février donc ozana raison que ba kino il faut baye ba ba impôt wana po baye ba komi lengela deja impôt ya liboso o il faut ba mi lengela na à partir à janvier wa c'est le 1er février 2022 ezali impôt foncier otobengaka mpako ya mabele mpako ya mabele nana sengeli kofuta mpaka mabele ezali mutu nyonso oyo azali na mabele oyo leta apesa ye atongi na mabele wana neti bakolo ba mampango
Sokoza na lupango, oza propriétaire ya lupango, ozali assujetti, c'est-à-dire osengeli kofuta mpako ya mabele. Mpako wana montango na yango, c'est-à-dire montant ya kofuta, ezo varié en fonction ya localité oyo lupango na yo ezali. Soki lupango na yo ezali na Gombe, ezali na Ngaliema, ezali na Limete, ezali na quartier mususu ya Barumbu net bon marché, ezali na quartier mususu lokola na Lemba quartier Rigini, na Bandal soki boza na complexe Oasis, wana ezaba localité tozo benga premier rang bango. Tona ya bango ya kofuta ezali ndenge mokote na bato bazana ba Kasavubu, na bato bazana ba Masina, na bato bazana ba Kimbanseke ou bazana ba Bibwa. Donc tona yango ezo varier suivant premier rang, deuxième rang, troisième rang na quatrième rang. Bato pe basengeli kofuta mpako wana ya mabele ezaka ba personne physique te, il y a aussi ba personne morale, ba société o bazana ba mampango, bazana ba mabanda kuna bango, bango pe il faut bafuta mpako na bango. Na ba société immobilière, bango pe bazali na obligation ya kofuta mpako ya mabele. Deuxième mpako o deuxième impôt o il faut bafuta ezali o etali ba bailleur na ba locataire. O to bengaka IRL, impôt sur le revenu locatif. Ceux qui osa bailleur les roseaux pesanda qu'on a en location, aux autres en bongo na souka sansa, na bongo wana bazo futo na souka sansa, locataire a zan obligation ya ko retirer 20% chaque mois au yazo pesayo pour afouter la yo impôt.